Donc avec ces paroles, bien sage de Bénédicte, qu'on a envie d'ouvrir sur cette cérémonie. Mais avant qu'on passe à la prise de parole, on invite l'honorable assistance à écouter le retentissement de notre hymne national. Barakallahu fiko. تصوري او قناعتي ان هذا الاحتفال هذا بالعيد الفطر مثل غيره من المواعيد اللي عرفوها بلديات اخرى يجي فما واحد الامر اللي هو الموروث الثقافي كاسمنت سان سيمون كونسوليد سير نوتر مامون فوالا. Je voulais souligner ça. Sans trop tarder, on passe la parole à M. Djinal Abdallah, le maire de Fieni, pour بن عباس وغيرها. إذا كل هذه الموروث الثقافي هذا أنا بالنسبة لي وأكيد تشاطروني الرأي هو هذا الإسمنت القوي كي كونسوليد الشعب الواحد الشعب الجزائري الواحد والموحد بهذا الموروث الثقافي في اختلافه قوة. اختلافنا هو القوة تاعنا. إذا اليوم الحفاظ عليه تبقى المسؤولية تاع الجميع. الشيء اللي نعتمد عليه أولا أننا تحية تقدير وإجلال لكل الحرفيين ليزارتيزون تاعنا اللي هذه السنوات مروا بمراحل صعبة جدا ولكن الشيء هذا ما خلاهمش يسبحوا في هذا الموروث وثابروا وصبروا إلى يومنا هذا. فيه مشاكل متعلقة بالمادة الأولية فيه مشاكل جبائية ولكن هذه الامور هذه نرفعها ان شاء الله ويكون فيه المفهوم اللي قلته ان كل هذا الموروث الثقافي موروث الجزائر ككل وهو اسمنت الجزائر والجزائر تحيا بهذا الموروث هذا. فبدون اطاله عليكم اعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا الحفل هذا العيد عيد الفضه اللي يعود ان شاء الله عليكم وعلينا اجمعين بالخير. كل سنه وانتم طيبين.
pareil. Donc, on va leur ajouter au budget d'affirmer. Et qui certainement va aussi avoir l'occasion, en partisan de Paris, d'aller au mieux, d'aller de l'avant en ce qui concerne la finition du corail, qui est aussi un élément principal. Le thème, c'est le bijou qu'on veut faire du deuxième. Le premier responsable en tant que premier magistrat. Donc, quelle est un peu votre appréciation quant à la thématique? La poterie, on y touche même tous les produits manufacturés aussi, qui sont frappés par certains phénomènes de poterie. Mais la meilleure façon de contrecarrer toutes ces choses-là, c'est la labellisation, c'est la protection. Protection de création, parce que chacun individu est visiteur de ça. On sent qu'il y a chaque artisan à sa place. Et lui poser la question sur la disponibilité, il m'a fait part d'une perturbation de parcours qui a été enregistrée, sinon je suis retrouvé dans la matière première. Maintenant, le soutien, peut-être que votre question verse dans le sens du soutien, non pas de la dans le sens du soutien, le soutien en l'apport fiscal, l'accès privilégié au crédit, tout ça, je crois que les choses s'imposent par elles-mêmes. Hein. Il faudrait qu'il y ait ce que vous venez de souligner, mesures d'accompagnement, mesures de soutien. Monsieur le Wally, justement, dans le contexte des contraintes que l'on peut. On peut un peu relancer le projet en question, ou alors il y a une étude qui va être faite dans ce sens? Le projet, il est. D'une part, d'autre part, comme vous l'avez assisté toujours avec nous, chaque année en automne, on organise la fête de l'artisanat au niveau du chef. C'est à travers ce genre d'activité qu'il sera possible, à l'avenir, inchallah, très proche, d'envisager une maison de l'artisanat, bien que la maison de l'artisanat existe. C'est mais propre à bijoux, la maison du bijou. Et propre aux bijoux, ça ne fait qu'un pied. Oui. Je crois que. De façon de répondre correctement à tous ces artisans et artisans qui, malgré les difficultés, continuent encore de la création, de la tendance, qui maintenant ils se partagent non pas à utiliser le dossier à Paris, mais je dirais même en étant ce qu'ils offrent produits propres à la région. Monsieur le Wally, forcément, les problèmes que rencontrent les artisans.